Comme promis, avant de poser, nous allons introduire Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, lycée, non seulement avocat, mais tout lycée coordonnateur, unité juridique, dans l'Université de l'État. Et dans le document qui est devant nous, c'est Yon Namoun qui signe, et il signe pour le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, alors que pour l'École de droit et des sciences économiques, de Gonaïves, c'est Maître, c'est magistrat Octelus d'Orvilliers, qui est président Cour d'appel Gonaïves. Bonjour, Maître Pierre-Louis. Son plaisir pour nous recevoir Mathieu Anaïs Pasta pour nous parler de dossier ça. Bonjour, mon ami Johnny. Et bonjour, mon ami Dieusel. Et je permets de saluer aussi toute la communauté des étudiants des Gonaïves, des professeurs, membres de l'État civil, membres du conseil consultatif, membres de direction de l'école. Hein? Et tout le monde dans Gonaïves, qui aime Gonaïves, qui aime l'école, yo, qui connaît l'importance de l'école là pour la communauté ya, et pour le pays, nous saluons. Je pense que, il y a un peu d'intervenant là, je salue M. Saint-Ilus, qui fait une belle intervention, mais qui nous a un petit peu, et je salue M. Fa aussi, qui est intervenant. Maintenant, je fais tout effort pour me battre là. Et je ne vais pas parler là comme avocat. Moi, je suis enseignant de carrière. Moi, j'ai un ancien bâtonnier qui est étudiant. Moi, j'ai un docteur, j'ai un très fort professeur dans la faculté de droit, de sciences économiques, de Port-au-Prince, côté de mes citoyens actuellement. C'est étudiant. Oui. Donc, j'ai un monde qui plus connaît comme avocat, parce que j'ai 29 ans de carrière comme avocat dans Port-au-Prince, mais moi, plus professeur que moi, et avocat. Et là, je ne vais pas parler du tout en tant qu'avocat. Je vais parler en tant que coordonnateur affaires juridiques et électorat. Et puis, moi, c'est doyen faculté de droit des sciences économiques dans le conseil universitaire. C'est moi-même qui traite les questions juridiques. Il y a deux bagages pour moi, qui est essentiel pour mon ami Johnny et tout le monde. Je ne vais pas parler là de notre cas d'intérêt général. Je ne vais pas parler de mon cas d'intérêt personnel, intérêt particulier. Et nous ne vais pas exclure qu'il y a toujours rien. Là, on a parlé de l'université de l'enseignement supérieur, université d'État d'Haïti dans le pays. On a parlé d'un gros causé qui n'est pas rentré dans la banalité. Et chaque pays qui a une université qui fait partie de l'ensemble communauté internationale, coopération internationale, il y a des standards internationaux exigés pour le pays à suivre. Que ce soit dans le contenu que ce universitaire pour qu'on a fait, que ce soit dans la condition qu'on a fait pour yo, que ce soit dans le nombre de jours de classe qu'on a dispensé pour yo, nombre de jours d'heures en termes de temps qu'on a dispensé pour yo, et puis qualité de diplôme qu'on a délivré dans les conditions délivrées. Et autorité qui a signé yo. Ça veut dire que le diplôme est supposé doit gagner une valeur reconnue internationalement. Bon. Maintenant, là, on finit de ça. Constitution fait de UEH dans le cadre de ça. L'institution de contrôle qui est indépendante et autonome. Mais autonome, ce n'est pas que nous séparons de l'institution. Nous, là, c'est faculté de droit, c'est l'université qui a fourni, formé tout scientifique au niveau national pour le pays, dans le cadre de la coopération internationale. Donc, nous avons yeux international sous nous, si ça n'a pas fait un enseignement, et Timounio, là, il y a des Timounio, Jeunio, Cadio, là, il y a une licence, master, pas oublier, je veux dire, faculté, université, il y a un master, il y a un doctorat. Nous faisons doctorat en co-tutelle avec d'autres universités étrangères, et puis, faculté de droit et des sciences économiques m'a dirigé comme doyen, il y a un master en droit, que ce soit en droit pénal, que ce soit en droit des affaires, que ce soit en criminologie. Et nous avons un gros cadre dans l'État qui est membre, qui a étudié dans le master. Donc, ça veut dire que nous, tout le monde qui parle là, tout reconnaît à unanimité l'école de droit des Gonaïves, chargé problème. Et ma félicité Johnny qui dit que j'étais toujours prôné que c'était une entente pour bagarre à régler. Mais on va important de dire à cette question entente là, à quoi il a parlé. À quoi ça signe le protocole d'entente là? Il n'y a pas de même nature avec n'importe qui pour te dire d'entente. UEA, c'est l'instance suprême qui occupe le sommet de la hiérarchie de l'enseignement supérieur en Haïti. Même l'enseignement privé, c'est pour autoriser le fonctionnement.
C'est ça la loi de sa constitution. Maintenant, une entité en dedans UEH qui a mal marché. Les autres autorités dans UEH ont fait tout ça capable pour rappeler l'autorité à l'ordre. Tout le monde dit diplomate vendre, dit c'est gagote, etc. Moi, je ne suis pas dans le débat, je ne suis pas vieux naïf, je ne suis pas professionnel à l'école, je ne suis pas qu'on est venu, je ne suis pas qu'on est. Mais moi, je suis un responsable à l'intérieur de l'UEH. Et c'est ça que je me bats pour une autre. Et mon gona il veut faire des adieux nous qu'à vérifier ça. Il fait mon gros confiance, il honore ma gros confiance, il fait. Parce que mon gona le montre à ses formations au niveau master pour certains cadres des universités gonaïs. Donc le protocole saxien, hein, c'est pas un contrat lié, c'est pas un accord de même nature. Ils sont un contrat interne lié entre une entité de l'UEH avec les autorités du directoire de l'UEH. Mais on a tout particulier. Ça veut dire que automatiquement, oui. Et responsable affaires juridiques, rectorat, université, qui lui-même tout signé protocole d'entente ça pour le rectorat, c'est maître Eugène Pierre-Louis. Avec lui, on a essayé de garder position rectorat, comment vous comprenez réaction et étudiants et comment vous même vous décidez d'aborder question ça. Est-ce que vous avez dit adelanté, il y a pas avancé, advienne que pourra ou bien tout une possibilité pour faire des considérations ou bien pour y revoir quelques bagages. Oui, on t'a dit que rectorat à l'université, hein, c'est lui-même qui gagne contrôle, mais presque le monopole de contrôle en termes de régulation et de contrôle des questions enseignement supérieur en Haïti, suivant la constitution haïtienne, dans l'article 208 et suivant. Maintenant, une approche autoritaire, là, il y a des problèmes dans l'entité qui dépendent d'une entité supérieure, il y a des ordres qui ont fait, il y a tout le monde qui est intervenu là, reconnaître les diplomates de droite à gauche, l'État, tout le monde a fait ça, et vous c'est prévarication, tout ça, et tout le monde. L'autorité de contrôle, là, c'est intervenu, prendre les mesures de correction et puis sanctionner les fautifs selon la loi. Tout le monde paye ça, vous fait. C'est ça qui est normal. L'on a état de droit, côté gain responsabilité. Mais bon, approche toujours dit, hein, par rapport à Jean-Pierre, il y a des sangs, maintenant, bas fond, nous trouvons, hein, ou après question universitaire, ou même enseignement supérieur, son bas académique, au niveau enseignement supérieur, ou comment on l'a pas abordé, comment on l'a pris. Elle dit, nous n'a pas fond, voilà. Alors, là, l'on quitte l'approche autoritaire, ou entrer dans l'approche de négociation, de discussion. Mais en temps normal, on ne peut pas trouver une entité supérieure, une entité la contrôle qui est dans des ordres, c'est négocier pour le négocier avec. Donc, c'est une négociation spéciale et particulière pour essayer de sauver les meubles. Moi-même, tous les étudiants qu'on a eu, tout le monde qu'on a eu, capitaine de Mla, toute autorité est habituée avec moi, dans la justice, dans l'enseignement juridique, étudiant. Yo. Maintenant, négociation, yo, comme conseiller, et moi, représentant électoral, moi signe un protocole d'accord avec les honorables représentants de la société de Gonaï, que ce soit et monde qui n'a l'école des aigles, qui soit membre de civil, qui signe un accord. C'est surtout pour la communauté des jeunes et des étudiants. Et moi, j'aime suspendre ça dans la négociation, qui durait plusieurs mois. Et yo même yo ka dit dans qui sens moi t'ai aidé, ça me déconne dit yo. Médecin Fasso de parler là, il était témoin privilégié des interventions. Nous avons toujours dit yo, si l'école a été fermée, j'en ai. Yo même moun ka yo, yo pa met tèt yo ensemble pour yo faire l'école la marcher. Premier victime nan ap étudiant yo même et ces communautés gonaïve là qui soit justiciable, que ce soit moun ki nan la justice, ki nan enseignement du droit, moun ka vive de l'école la marcher. Tout moun yo sanctionné communauté a tèt propre, tèt prêt à sanctionner. Et m t'encourager yo pour yo chercher un accord minimal. Et ça, fait là, sont encore minimal liés. Mais nous, dans le cadre, ils ont une entité supérieure qui a contrôlé l'autre, mais ils font encore quand même, ils ont les protocoles d'attente. Mais maintenant, c'est tout à fait normal pour les gens qui sont venus pour lire, et parce que je prends 100 euros pour analyser encore. Parce qu'il y a un peu de termes techniques là-dedans, et ils sont liés à la fois, ils ont d'accord en tête, mais ils sont juridiques liés tout. Parce qu'ils sont encore nous. Moi, je dis, M. Hervé Saint-Élis, son M. Depuis l'été étudiant, qui a été contre l'absolument dans le mouvement, il est très nuancé. Mais bon, il dit oui, mais ça ne me bat pas apprécier ni en intervention, M. Saint-Élis et mon confrère et Saint-Far.
Il a dit qu'ils sont encore de la honte. Et puis en même temps, il a dit que il y a article 6, 7, 8, il a demandé pour être révisé. Mais comment qu'on va traiter l'autorité, dont moi-même qui se dois infacturer les instances économiques, qui se disent très appréciés des communautés de droit et des amis des Gonaïves, qui sont responsables pour notre affaire juridique universitaire. Moi, participer à un débat pendant plusieurs mois avec nous, nous concluons encore. C'est tout à fait normal que tu aies des points nous dit que ça qui mérite réviser, son humain lié. Mais dit que son accord de la honte d'abord, ensuite pour dire que il y a trois articles qui méritent réviser, ou en contradiction avec toi, peut-être pas. Ou pas qu'à cracher son bagage après pour dire et puis mais ça qui mérite réviser. Pourquoi tu n'as pas chita sur ça qui mérite réviser, ou faire une proposition ou dire même si tu as souhaité réviser pour tout dire, mais qui n'a qui chance. Mais là, comment c'est pas dit son accord de la honte, mais tout ça que la honte est dans la poubelle pour le GTE. Maintenant, j'étais encore dans la poubelle maintenant. Problème jeune Gonaïve yo gen, nèg ki nan ekòl bawo yo, kap etudye yo, pa ki bezwen diplôme yo pou yo kontinye chemin yo, pou yo ka remplase otorite la yo, nan kad de alternatif pou kontinuité de l'État, pou pase nan flambo a bay on lòt jenerasyon. Men la yo rete bloke tèt yo la, yo pa chèche fè konsesyon. Pou yo menm, pou tèt pa yo anko nan entere pa yo anko, et je sais ce dit bah là là et une journaliste là il dit que est-ce que qui solution nous proposer ni mon ami Cetilus ni médecin Fa il dit c'est à quoi ta solution hein amen ça veut dire qu'il pas aucun problème pour ta chita entre yo pour ta garder identifier qui point ou vérité qui fait problème là et puis on fait des propositions on a quoi toujours réviser avec tout le monde qui de bonne foi. Mais Pierre-Louis. Mais dis-moi, souligner mon bonne foi pour mon ami Johnny, qui aime Eric Gessaro. Donc, là où même c'est intérêt, mais si, si on m'a intérêt, mais si on va défendre, ou bien on a intérêt déjà, Jean-Lobert, la Téye, Gonaïf, là, ou bien Jean-Lobert, il va le voir. Mais Pierre-Louis. Tout changement qui a dérangé, laisse ça, on n'a pas besoin de parler. On a toujours dit c'est accordé là, on va cracher sous lui. Mais moi, je suis vraiment d'accord. Moi, je suis vraiment d'accord. Avec moun qui est venu qui dit que il y a des articles li yo ta mérite réviser que yo proposé des reformulations yo estime ka aider améliorer question hein? Même pas aucun problème dans ça pour ta chita avec moun qui te signataire yo d'instance qui signé yo a pour ta garder bien fondé pertinence proposition que fait là pour avec moi venant pour le réviser à quoi dans l'intérêt général. Pas de problème dans ça, non? Non. Mais comment c'est pas dit qu'on accorde la honte pour cracher sous lit. Et puis vous savez, vous dites qu'il y a des articles, ça veut dire que l'on dit qu'il y a des articles qui méritent réviser, ça veut dire qu'on admet à quoi. Comme vous principal doit dire que l'accessoire suit toujours le principal, c'est l'intérêt général qui n'a quoi. Accessoire, là, c'est point où dit qu'il mérite réviser. Eh bien, tout le monde prêt pour ça. Oui, de la mesure qu'on fait de bonne foi, ou bien qu'on est passé, ça va défendre vrai. Si c'est ça lié vrai, il y a pas d'autre. Donc, mais c'est dans le cadre institutionnel, c'est dans l'académie, c'est dans l'université à nous. Oui, oui, cher ami. Oui, oui. Alors, Mdabalzo, là, sur ce point, ça, où il fait là. Donc, ça veut dire, nous. Bon, alors, on va parler là dans le rectorat. Donc, tout à fait. Ça veut dire, rectorat, pas gagné, problème. Pour que à nouveau yo chita et rewe et protocole d'entente là qui peut-être t'as qu'à résoudre des problèmes là définitivement, c'est ça vous voulez dire là? Oui, mais c'est tout à fait ça, cher ami. Écoutez, autorité électorale, c'est pas yo qui a dirigé Gonaïve, yo pas un intérêt immédiat dans Gonaïve, c'est un instance de l'État, nous on citoyen indépendant de l'État qui chargé de l'enseignement supérieur pour pays là et cabinet de coopération internationale dans le domaine, non? Au nom de l'État, avec les autres autorités de l'État. Donc, nous-mêmes, nous voulons pour un minimum, un fonctionnement minimal qui est accepté, suivant les règles de l'ordre, suivant le standard international dans la question, hein, pour protéger l'intérêt pays, l'intérêt jeune, le capitule de l'eau, pour diplôme maintenant, mais il y a une valeur méritée gagnée, de tout côté au passé, à tout pays qui a une relation avec Haïti. Mais laissez l'autorité électorale du diplôme n'est pas bon. L'État, la caille, seulement dit le pas bon. Tout le monde d'accord le pas bon. L'orive est étranger, c'est étranger qui va le dire bon. Ça veut dire qu'on nécessite pour l'intérêt étudiant, lui-même d'abord, pour essayer de se comprendre, pour que correction côté, pour capable conférer un diplôme, il va valer le mérité sur le plan universel. Là, nous venons de dire ça nous-mêmes.
si y a des étudiants ou bien pas forcément l'autre monde qui est concerné par question, même comité de la, je sais pas pour rien, il y a un comité consultatif de la société civile formé des autres personnalités de la dans question. C'est parce que vous connaissez le compliqué en fonction des intérêts des uns et des autres, intérêts croisés des uns et des autres, pour vous calmer, pour vous ramener tout le monde à la raison, pour vous jouer un accord minimal. Et c'est ça qui arrive fait. Maintenant, pas aucun problème. Et même comité consultatif là qui n'a encore, même monde qui a dirigé l'école, même société civile, même Johnny qui est intéressé comme monde qui naïf tout, comme jeune qui a étudié par Johnny son qui remet son. Johnny se dit ça. École de droit de naïf là, exact. C'était un fleuron privilégié par excellence dans l'UEH. Qui occupe, monde qui forme dans l'exec, il occupe déjà le sommet de, la, de l'État déjà, que ce soit au niveau cours de cassation, cours d'appel, que ce soit et au niveau de direction de l'État, président de la République, à tous les niveaux. Tout le monde connaît ça. Je dis, même si on s'est descend au niveau de banalisation, on a parlé je dis, et tout le monde connaît ça, même principal concerné, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Au lieu d'imposer ses préoccupations, rectorat Chita, non approche démocratique, état de droit, dialogue, échange, dialogue social pour résoudre le problème, dans son base consensuelle. Mais si il y a une erreur, une insatisfaction pour des gens qui ont de bonne foi, qui estiment que tel article n'a pas mérité de réviser. Mais cette proposition, pas aucun monde qui sent qui connaît l'intérêt général, qui connaît l'avancement jeune, étudiant, pays, qui va d'accord. En attendant. Mais on ne commence pas à dire qu'il y a encore de la honte. Oui, mais je t'aime, pour cracher sous lui, qui est son roquement pour chiter à voir, ils sont encore de la honte. Sans respect pour personne qui est intervenu là-dedans. Mais bon, j'ai pour avoir des questions pour autant d'eau, pour chita, parce que c'est pas pour chita, mais pour pays à faire, c'est pour la communauté de naïve à faire, c'est pour tout génie, même à de nos bagages et tout. Là, ils ont un problème posé, un accident fait, on bus à virer tout le monde là-dedans. Mais nous pensons pas que personne qui a blessé dans le bus là. Il n'a pas frappé l'autre tête, il n'a pas frappé tête l'autre, mais il a tombé dans la vigne, comme si même chaque monde a sorti indemne. C'est comme si le problème t'a gagné dans naïve depuis des années, tout le monde le connaît là. Gagote académique administratif yo, mais là a résoudre comme si tout le monde a sorti comme si pas jamais gain des ordres pas aucune conséquence pour personne. Et ben c'est ça ça gonfle le fier qui garde qui garde les ordres danois comme ça dit mon intelligent c'est mon qui connaît limite yo qui ca prévoir conséquences dommageables à ta poser pas gagne toutes des ordres dans l'école tout le monde reconnaît dans l'école de droit en plus. Et puis pour qu'on ait a résoudre problème non ben pas bien conséquences négatives pour personne. Ça, son logique, je n'arrive pas à comprendre, son démarche, je n'arrive pas à comprendre. Mais pour me conclure sur ça, je vais dire, autorité électorale, il y a encore, c'est humain qui fait ça. C'est pour bien, c'est changement, nous besoin, c'est l'école, là, nous besoin de marcher dans l'intérêt jeune, pour jouer un diplôme, yo, parce qu'elle a bloqué, et elle a tout bloqué. Chaque année, l'école de barreau, pour continuer, vous pouvez voir des correctifs, dans ce qui est fait déjà, vous pouvez voir minimal. Pour voir comment vous pouvez redresser là-bas, là, pour le diplôme qui a signé par les jeunes, ça, vous l'avez eu à l'étranger, vous l'avez fait master, vous l'avez fait doctorat, et pour carrière, vous l'avez postulé pour un poste et dans le pays et à l'étranger, pour vous reconnaître le diplôme ça, dans le pays. C'est pour vous et dans l'intérêt, vous finalité, vous avez eu. Quand vous avez chemin, vous voulez prendre le résultat, vous connaissez. Si vous voulez cracher sur l'accord minimal, ça, vous voulez le poubelle, vous voulez le jeter, si vous connaissez, même d'ailleurs, vous avez même un philosophe qui a dit, il y a gardé les conséquences pour qu'il y ait appris d'abord. Il y a pour vous-même et il y a pour la communauté vous naïve là. Et pour payer. Nous avons moi-même été ouvert comme conseiller juridique dans le rectorat et comme doyen faculté de loi des sciences économiques de Port-au-Prince et comme professeur pour m'aider, pour me continuer à aider jusqu'au bout. Tout ça que tu as mérité d'améliorer dans l'accord, nous avons toujours une approche consensuelle là pour améliorer. D'accord. Mais on dit malheur à celui maintenant parce que le scandale arrive et on dit que les institutions ne vivent pas de scandale, elles en meurent. Mais Pierre-Louis. Alors, qu'on est, puisque vous participez dans la négociation et signature protocole de Tatlan, par exemple, sur qui base nous prenons des décisions qui gagnent conséquence et presque 5 promotions selon ça mais c'est comprendre dans le document et gagne sous eux là on étudiant par exemple qui dit promotion par l'an c'est 2018-2022 donc à travers protocole d'entente ça nous reconnaître dans deuxième année
Ndare me konen. Mwen fason pose kesyon an, ou mwen fon bagay objektif nan pandre nan fon kesyon an. E, son realite ki impose a nou, a tout moun. Se depi 2019, Johnny te diri, depi 2019-2020, problem yo pose, rektorat pa jam sese voye des instruksyon, des rekomandasyon, invite tout moun yo pou yo korije problem nan, résistance opiniâtre moun k'ap dirije yo il est tenant question yo dit que l'école là indépendante totalement il va gagner pour avec toi et yo cracher sur sa rectorat t'a fait mais entre au niveau donné rectorat li mon responsabilité l'état envers diplôme que envers jeunesse là envers pays là envers moun k'ap étudier dans enseignement supérieur yo pour le redresser là-bas. À un moment donné, il dit, bon, faut le contraindre, mon cap diriger, chita, pour être capable de poser problème communautaire au niveau enseignement supérieur. Il dit qu'il y a une mesure, il ne peut pas reconnaître aucun diplôme. Parce que mon ne dit pas reconnaître l'autorité rectorale, mais c'est en tête diplôme, tout le monde marqué Université d'État d'Haïti. Toute attestation marquée Université d'État d'Haïti. Et puis il dit, exégo naïve indépendant. Son moun gona yu de kreye l'école la et l'école pa yolye. Ça son blague. Et finalement, yu vin ren yu kont ba sa pap menet wol we. Et moun ki plus ou moins raisonnable na ba la, mande chita. Et puis rektorat yu sa se vle. Mais depuis le rektorat te mande pou yu te pren mesure, le rektorat forme commission de redressement et de restructuration pou travailler avec yu, yu te gonse te kategori te refuse chita de commission yu. Mais en tout temps passé, le rectorat te pren mesure, il pas reconnaître diplôme qu'a délivré. Il pas reconnaître bagage si on pas chita pour faire redressement parce que la préjudice pour pays a pour enseignement supérieur pour coopération internationale dans le domaine reconnaissance des diplômes. Mais si on te veut tiembe la raison d'idée et depuis là ça pour te chita connait que son problème qui urgent, qui prioritaire pour te chita tout de suite. Mais il a quitté des années passées. Et il ont tiré noir ce spaghetti mélange étudiant dirigeant pour certaines catégories et c'est délice de le départ que l'autre monde qui sortit lui, il aurait été fermé non car comme ça, il a quitté 3-4 ans passés. Mais ça pas capable conséquence sur étudiant yo, il pas capable conséquence sur l'école là, il pas conséquence sur communauté là et même pour IH là en général. Donc, au moment donné, faut nous mettre en frein pour la résoudre. Mais heureusement, les faits n'ont une approche consensuelle. Et ça, c'est ça pour que vous nous salué. Vous avez dit, bon, il faut que fait, même s'il faut arriver jusqu'au bout, électorat engagé pour les supports financiers et accompagnement académique nécessaire pour aider à résoudre le problème. Et là, ça, maintenant, dans le cadre, ça, il faut aller à quoi? Regardez 1, 2, 3, 4. Et position responsabilité rectorat prend. Si on mante, si on mante pour le renforcer, suivant les besoins de la renforcer, si étudiants ont réuni une approche, respect, comprendre que c'est assez diplôme, il s'agit, comprendre que diplôme est une reconnaissance internationale pour continuer la carrière, pour occuper n'importe qui poste dans le pays et à l'étranger, ils connaissent, ils ont besoin qu'autorité prenne des mesures pour valoriser le diplôme, pour gagner. Et diplôme, l'autre monde, tout est gagné déjà. Donc, ça veut dire tout simplement, approche consensuelle, accord minimal saxien, hein? Démarche logique, cohérente, réaliste, pragmatique, là, c'est renforcer. Renforcer, là, c'est accompagnement rectorat décidé sur les plans financiers académiques. Yo. C'est correction pour porter sous diplôme qui va reconnaître. Yo. Et sous coup qui est fait, sous examen qui fait, soutenance qui fait dans des conditions indésirables, pour des corrections côté. Mais si vous commencez par dire tout accord, il ne pas répondre à diplôme qui n'a pas d'accord pour le mettre en question, pas d'accord pour élever notre débat pour le mettre, ou pas d'accord pour rien faire pour redresser, il faut que vous mettez tout le bagage, mais sauf pas toucher parti pour là. Comment vous faites le problème là? Alors que nous avons un système. Et tous les éléments sont interreliés. Donc c'est comme ça de bon sens. Ceci étant dit, et mon ami Dessel, ça que ce bagage est arrivé jusque-là, c'est étonnant, parce que vous n'avez pas jamais d'accord rentrer dans les rangs. C'est pas le rectorat, non, pour entrer dans les rangs, contrairement à ce que Johnny a fait à l'heure. C'est pas le rectorat pour entrer dans les rangs, non. Le rectorat, c'est l'instance suprême de l'enseignement supérieur en Haïti. C'est l'entité qui a fait des ordres là qui vont entrer dans les rangs. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire tout dans le groupe. Mais Pierre-Louis, ça me comprend. Dans la démocratie, pour nous faire. Mais Pierre-Louis, ça me comprend. Le rectorat arrête là, le rectorat entend
Si vous réviser un accord dans le bon sens pour améliorer les choses, le rectorat a commencé, prêté ouvert à la disposition de tout le monde, même monde qui de bonne foi. Mais Pierre-Louis, ça ne comprend pas que ce n'est pas, pas, pas responsable, ce n'est pas dirigeant yo, qui pénalise, là, qui, c'est étudiant. Yo. Mais pas la violence, non, comme mon ami Gisèle. Moi-même, je vais donner un baccalauréat à moi et je vais faire un silo. Parce que, à un moment donné, je vais aller chez Mayoc. Je vais étudier les séquences sur le petit roi. Je vais dans un mouvement où il y a des conséquences. Même si je vais aller à la maison, je vais mettre un examen, tout examen est gagné dans la rue. Je vais faire un examen ça moi-même. Et parce que je vais toujours bien classé, je vais bien l'autre dans l'école. Pour dire que je vais aller à l'école, je vais aller à l'école, c'est pas vrai. Mais. Je dis que je ne vais pas faire un examen là, oui, que le général n'a pas fait. Mais après ça, je dis à moi, avocat, professionnel, je dois faire un facteur de la défense. Ça veut dire que, mais là, corriger. Je suis d'accord pour nous corriger. Ça veut dire que, dirigeant, même, depuis qu'il y a une crise dans le pays, l'école ferme, ou bien diplôme, ou bien pas fait, ou bien mal fait, première victime dans ces étudiants, mais pas la vie, je dis non. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez, pour ne pas mélanger politique. Avec enseignement supérieur académique, devoir faire amalgame ça, ou mélanger politique, politicien, qui a parlé pour l'université, et puis qui a pris la fait paillot sous deux étudiants, avec ou bien étudiants, ou même tout le étudiant, tout le monde, de vous dire étudiants, ça va être lycée non plus. Il y a des gens qui viennent faire diplôme dans l'autre bagaille, qui a fait l'autre bagaille, qui c'est qui pour postuler étudiant. Il y a des gens qui sont éternels étudiants, qui ont utilisé postuler étudiant pour la faire. Mais pas tout le monde est bien étudiant pour connaître ces 6-5 et quand on joue celle avec Johnny, non? Ça veut dire que les étudiants sont véritables acteurs sociaux, ils ne sont pas capables de briguer à tous les niveaux. D'accord. Donc, qui est-ce qui est étudiant? Qui est étudiant et étudiant, mais tout le monde qui est étudiant ou soucieux de carrière pour réussir par rapport à un diplôme, ni pour aller plus loin, il connaît que s'il a fait réduction, il a intérêt, il a fait plus. Mais déjà, on est tous les plaisirs de nous l'obéir. Il y a des corrections qui ont fait, il n'y a pas de payer pour casser. Donc, on y a, si on a des propositions, comme on a étudié les mérites pour l'essentiel, et M. Sétilis souligne ça, mon ami et avocat Kebalea souligne ça, lui, il a souhaité réviser l'article 6 et 7, l'article 6, 7, 8, même les fins de son accord de la honte, il ça. Et ça, c'est essentiel de ça, il y a. Révision des articles 6 et 7, 8, ils ont estimé porter au préjudice. Et mais si on établit clairement des sans embâge avec rationalité sous base de la raison et d'objectivité, effectivement, il y a des préjudices injustement portés contre eux, nous-mêmes, autorités électorales, c'est l'université, nous ne pouvons pas inscrire dans la logique d'abus et d'extrémité. Nous avons pour nous réviser, pour nous garder avec le comité consultatif qui est en place de Gonaïve, hein? Responsable de l'école Gonaïve, tout acteur de bonne foi qui est impliqué dans la question. Hein? Pour nous faire les corrections nécessaires, même pas qu'il y a aucun problème dans ça, non? D'accord. Eh bien, mais merci un peu, M. Pierre-Louis, n'a pas campé sous ça, sous notre d'accord positive, puisque nous-mêmes, au niveau rectorat, nous l'ouvrons pour dialogue et même réviser encore ça. Jean, étudiant, souhaitait nous pas voulu rester trop sur le sujet ça, qui prend un bon parti dans le journal là, malgré l'été nécessaire. Merci, M. Pierre-Louis. Un seul petit mot, dans 6 secondes. Oui. Et si, comme monde qui concerne, notamment mes chers étudiants, mes chers amis des Gonaïves, si tous les étudiants, pas mon Gonaïves seulement qui a pris dans l'exec, dans tout le pays, il y a qui ont pris dans l'exec, si on connaît amélioration, on a même porté dans l'article, mais c'est des ordres qui a fait pour aller bloquer, aller faire ceci, il va jamais résoudre et il y a payé sauce là pour être plus cher que poisson si on pas agir avec la raison, si on pas agir avec intelligence. Et ça, on a dire seulement. D'accord, merci un peu. Jean-Eugène Pierre-Louis qui t'a parlé avec nous dans le rectorat université l'État, puisque c'est un monde qui signe encore ça pour le rectorat et lui, c'est coordonnateur affaires juridiques dans UEH. Là, donc, nous mettons fin dans le sujet ça matin. Ça n'a pas empêché qu'un carreau tourne sous le journal qui a vint en après.